Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong? Drift King. Drift? What do you mean, drift? Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est une vidéo vlog. Dans ce vlog on va se rendre à l'Anneau du Rhin pour assister à la Drift Cup, un événement, comme son nom l'indique, de drift. Mais d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne un événement pareil. Voilà comment les compétitions de drift fonctionnent. D'abord, les phases de qualification. Chaque concurrent dispose de 4 passages, un de chauffe et 3 essais pour faire le maximum de points. Pendant cette phase, pour marquer des points, il y a plusieurs méthodes. Déjà, les clipping points, ou points de passage en français, situés à différents endroits du circuit. Il s'agit pour le pilote de passer au plus près de ces derniers sans les faire tomber. S'il est effleuré sans être propulsé, alors la note maximum sera attribuée. Dans le cas contraire, il s'agira d'une faute sanctionnée. Ensuite, des points peuvent être attribués pour l'angle de dérive sur la zone de déclenchement, ainsi que sur le parcours. Un facteur important est aussi la vitesse d'entrée dans la zone de déclenchement, mesurée par un capteur GPS ou par un radar. Et enfin, comme pour le patinage artistique, le style et le show sont aussi notés. Une fois la note attribuée, les concurrents sont classés et vient alors le moment des battles. Ici, deux concurrents s'affrontent, le premier des qualifs contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier, et ainsi de suite. Deux rôles sont alors attribués, le leader, qui aura pour objectif de refaire comme, voire mieux qu'aux qualifications, et cela tout en effectuant un run pouvant être suivi par le deuxième rôle, le sweeper. Lui sera jugé sur sa capacité à reproduire le run du leader, ainsi que sa proximité avec ce dernier. Lors de cette manche, il y aura trois passages. Un warm-up, un passage comme leader, et un passage comme sweeper. La notation est faite sur 10 points répartis entre les deux pilotes. Pendant cette phase, entre les deux passages, toute intervention mécanique sera sanctionnée par une disqualification. Après chaque battle, un pilote est éliminé jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Mais arrêtons de parler et profitez du show. Mais comment tout ça a commencé? Faisons un point histoire, voulez-vous? En 25 ans, le drift est passé de course de montagne illégale à un sport automobile spectaculaire. Pour la plupart d'entre nous, nous avons découvert cette pratique grâce à Fast and Furious et son fameux DK. Mais cela a commencé bien avant, et même avant le DK original connu sous le nom de Keiichi Tsuchiya. Est-ce que le nom de Kunimitsu Takashi vous dit quelque chose? Après avoir été un grand coureur moto et avoir eu un accident en 1962 sur l'île de Man, dans les années 70, il se mit à la course automobile pour assouvir son envie de vitesse. Très vite, il se retrouve sous le feu des projecteurs et se mit à remporter de nombreuses courses, et ce, peu importe les conditions météo. Comment faisait-il? Comme les pneus de l'époque ne tenaient pas la route, il arrivait à fond dans sa Skyline, lançant la voiture en glissade dans le virage, puis contrebraquait pour sortir du virage avec une vitesse élevée. Le drift était né. Par la suite, le drift de montagne, ou togé illégal, finit par voir apparaître ses lettres de noblesse grâce à Dorokin, avec sa Toyota Trueno, et non, pas Takumi, mais le grand Keiichi Tsuchiya, qui sortira un court-métrage de drift, le premier, Plupsy. Cela lança l'engouement du public pour le drift, au dépens de sa licence de pilote. Mais, finalement, il la retrouva, et en 2000, au circuit d'Ebisu au Japon, le premier championnat de drift apparaîtra, 2000. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si ce style de petit vlog, rapidement, fait à l'arrache, vous a plu, mettez-le dans les commentaires. Et puis voilà, c'était Mario, je vous dis à la prochaine, ciao!